Salut tout le monde, c'est Aze, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel pour savoir comment brancher sa manette Switch sur son PC. Alors d'abord il vous faut un adaptateur Bluetooth, alors ça coûte 5 à 10 euros. Si vous en avez déjà un, bah là on va pouvoir commencer le tutoriel. Et sinon on peut pas faire sans. Alors vous allez vous rendre dans vos paramètres Bluetooth. Hop, vous allez ajouter un périphérique Bluetooth, et sur vos manettes de Switch, ou juste si vous avez les Joy-Con, du coup, vous allez les enlever. Et justement, voilà, il va falloir appuyer, maintenir entre les deux boutons, il y a un petit bouton noir, et après ça va faire ça pour qu'il soit désynchronisé. Hop, là il y a le Joy-Con, le premier. Là, vous allez rajouter un autre périphérique. Ça va être l'autre, le gauche. Alors, on va faire la même chose entre les deux. Voilà. Et on l'ajoute. Voilà. Et là, il n'y a plus grand chose à faire. Là, ça y est. Et je vais pouvoir vous montrer. Hop, on va lancer un jeu. Et je vais pouvoir remettre les Joy-Con sur la manette. Alors. Je sais pas si on peut passer. Vous voyez déjà en bas, config loader, gamepad. Donc il a détecté la manette. On va attendre le petit chargement. Et voilà, on se retrouve en jeu. Avec mon très beau skin. Bon, là il n'y a rien, et hop, vous voyez que le gamepad il marche. Bon, là il n'y a pas de bot, il n'y a rien. Mais... je suis pas très doué à la manette en vrai, je suis plutôt au clavier, mais bref, vous voyez que ça marche très bien. Je suis vraiment pas habitué. Hein. Enfin bref, c'était assez court et assez simple. Puis ce sera tout. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, laissez un commentaire, abonnez-vous, c'est le plus important. Et à la prochaine.